vivaient de petits personnages qui dans un seul morceau de bois égrenaient tout le dans la poix. Si l'on en croit le voisinage, il paraît que ces personnages se trouvaient unis tous les deux par la puissance d'un cheveu. Croyez-vous ? Eh oui, c'est comme ça. Sans faire de commérage, la chose ne nous regardant pas, on peut dire qu'un ménage, aussi drôle que celui-là, un homme comme ci, une femme comme ça, il n'en est vraiment pas d'état. Lui, pour montrer son parapluie, ne sortait que les jours de pluie. Pour ménager ses souliers blancs, elle préférait le beau temps. Leur maisonnette ayant deux portes, quand il rentrait, fallait qu'elle sorte par la volonté du cheveu qui les unissait tous les deux. C'est une chose possible. Mais puisque je vous le dis, sans faire de commérage, la chose ne nous regardant pas, on peut dire qu'un ménage, aussi drôle que celui-là, un homme comme ci, une femme comme ça, il n'en est vraiment pas d'état. Lorsque les gens du voisinage, qui guettaient les deux personnages, voyaient le bonhomme tout noir, ils se disaient, il va pleuvoir. Quand la petite dame, au contraire, arborait sa toilette claire, chacun proclamait aussitôt, le temps va se remettre au beau. C'était une manière de baromètre. Non, hygromètre. Oui, enfin, c'est du pareil au même. Si vous voulez. Sans faire de commérage, la chose ne nous regardant pas, on peut dire qu'un ménage, aussi drôle que celui-là, un homme comme ci, une femme comme ça, il n'en est vraiment pas d'état. Or, certains jours, les personnages, dans leur maison de cartonnage, prirent tous deux un rendez-vous, comme le font de vrais époux. Le cheveu voulant le contraire, tirant dessus, ils le brisèrent, et tombèrent avec un bruit sec, pas précisément sur le bec. Oh, je ne les plains pas. Moi non plus. Sans faire de commérage, la chose ne nous regardant pas, on peut dire qu'un ménage, aussi drôle que celui-là, un homme comme ci, une femme comme ça, il n'en est vraiment pas d'état. Vexé de faire ainsi connaissance, ils se relevèrent en silence et sont rentrés dans leur maison qu'ils ont bouclée comme une prison. Depuis cette pénible affaire, les gens ne savent plus sur terre s'ils doivent mettre ou retirer leur chapeau de paille ou leur ciré. Où allons-nous, mon bon monsieur ? Ah, je n'en sais rien, ma bonne dame, n'empêche que nous y allons quand même, car sans faire de commérage, la chose nous regarde un peu, il faut dire avec le sage que sous la voûte des cieux, est-ce tant pis ? Est-ce tant mieux ? Tout ne tient que moi.